presque 5 mois après son retrait de TF1 pour soigner une terrible infection à l'œil, Marie-Sophie Lacaro, la journaliste star, fera son grand retour au journal télévisé de 13h. Pour l'occasion, l'animatrice a évoqué ses derniers échanges avec son ami de toujours Jean-Pierre Pernaut. Après 4 mois et demi d'absence pour raison de santé, Marie-Sophie Lacaro sera enfin de retour. En effet, la journaliste sera à la présentation du journal télévisé de 13h de la chaîne TF1 le lundi 16 mai. Pour rappel, la jeune femme souffrait d'une maladie ophtalmique rare, la kératite amibienne. D'ailleurs, pour le Parisien, elle a déclaré qu'elle a dû vivre dans le noir pendant un certain temps. « J'ai vécu 2 mois dans le noir. Mais quelle est cette maladie ? La kératite amibienne, c'est ce que nous allons voir maintenant. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que c'est une pathologie qui touche l'œil et plus précisément la cornée. Elle est notamment caractérisée par la prolifération au sein même des couches de la cornée d'un organisme bactérien, viral, parasitaire ou mycotique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sans traitement, Marie-Sophie Lacaro aurait pu être aveugle. Malgré sa longue absence, Marie-Sophie Lacaro a fait beaucoup de choses. Pour autant, elle attendait avec impatience son retour à l'antenne. Et aujourd'hui, elle peut enfin voir le bout du tunnel. En effet, la présentatrice confie avoir obtenu le feu vert de spécialistes des pathologies de la cornée, qu'elle a vu pendant plusieurs semaines. « Mon œil a très bien réagi. Si je reprends, c'est que tout est revenu normal. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est heureuse de son retour. » D'ailleurs, Marie-Sophie Lacaro espère pouvoir définitivement tourner la page de ce malheureux contretemps. « Je suis tellement heureuse de pouvoir enfin me projeter sur ce journal du 16 mai. Une nouvelle date importante pour moi. Je tourne enfin la page. Je suis ravie de retrouver l'équipe, tous les correspondants en région et les téléspectateurs. » Durant les obsèques de Jean-Pierre Pernaut, Marie-Sophie Lacaro avait évoqué les liens qui les unissaient. Notamment ces mots durant la transition entre les deux journalistes. Jean-Pierre ne donnait pas de conseils. Jean-Pierre, il partageait, il échangeait et on se nourrissait de ça. Donc je ne le remercierai jamais assez de son accompagnement. Plus récemment, Marie-Sophie Lacaro a révélé le contenu de ses derniers échanges avec celui qui s'est longtemps battu contre la maladie. Des messages qui dataient de janvier 2022. J'avais échangé avec lui des messages début janvier. On s'était dit alors qu'on déjeunerait ensemble quand on irait mieux tous les deux. Pour moi, il était invincible. Il semblait penser qu'il aurait le dessus, il était plein d'énergie et arrivait à plaisanter. Un rendez-vous, qui n'aura jamais eu lieu, malheureusement.